Hello les gens, ici c'est Shadow. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur un petit jeu tout mignon tout plein mais pourtant super fun qui s'appelle Hardway Party. Vous incarnez, je sais pas trop ce que vous incarnez en fait d'ailleurs. En fait le but du jeu c'est très simple, vous avez un parcours à faire d'île en île à peu près, en gros la plupart du temps. Vous avez une voiture, vous devez l'emmener d'un point A à un point B en construisant des routes. Pour cela, vous n'avez que deux boutons, tout simplement, une touche de clavier ou à la souris, moi je joue à la souris, pour en fait orienter une nouvelle route afin qu'elle atteigne pile la trajectoire que vous voulez, c'est-à-dire la nouvelle île, afin de continuer le passage. Donc ça, c'est on va dire le plus le mode classique. Je vais vous montrer le mode classique plus le mode mission parce que c'est assez fun. Le gameplay reste le même mais il y a quelques petites variantes qui fait qu'il y a un peu de rejouabilité donc ça c'est cool. Et le but c'est d'aller le plus loin possible pour débloquer du coup des défis, pour débloquer de nouveaux véhicules qui vont demander de faire de nouveaux défis. Tout ça, tout un tas de trucs qu'on va je vais pouvoir vous montrer maintenant. Sachant qu'il y a quand même pas mal, voilà. Pas mal de trucs quand même. Il y a quand même pas mal de trucs. Voilà, du coup, j'ai terminé l'explication et je vais pouvoir me mettre en mode caméra normale puisque je viens de lancer une partie en me mettant en caméra plein écran. Ce qui fait que vous n'avez absolument rien pu voir. Ok, donc là, vous allez voir qu'on a différentes voitures à débloquer avec différents défis. Du coup, je peux en acheter d'autres avec l'argent que j'ai. Je vous montrerai ça tout de suite après. Pour le moment, hop, je vais lancer une petite partie histoire de vous montrer. Donc, vous voyez qu'en fait, là, j'ai des bouts de route qu'il faut que je place. Hop, correctement sur l'île. Moi, je reste appuyé sur la touche et paf, je lâche au bon moment, en gros. Hop, voilà, j'ai le choix de soit une touche à gauche, soit une touche à droite, en fait. Ce qui revient au même, c'est juste que, voilà, la route va partir soit de la gauche, soit de la droite. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez orienter et gagner un peu de temps par rapport à là où vous êtes. Aussi pour éviter les obstacles, puisque du coup, si vous tapez dans l'obstacle avec la route, ben la route, elle explose, quoi. Et du coup, vous avez paumé. Et voilà, j'ai perdu comme un caca. Et du coup, je suis tombé dans l'eau. Et le but, voilà, c'est comme ça, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu pour avoir de nouveaux environnements. Hop, hop, en mode speedrun. Voilà, parce que sachant que j'ai quand même jusqu'à ce que la voiture arrive au bout de la route précédente pour poser ma route. Voilà, en vrai, j'ai pas besoin de le faire aussi rapidement. Hop, et là, on a changé de niveau. On a changé d'environnement, on a une autre musique. Et vous voyez que la route change un peu de vitesse. C'est tellement chaud du cul. Non! Oh, c'était tellement proche. Je suis jamais allé aussi loin. J'étais à 10. Le post-apo, j'avais pas vu. Du post-apolitique, j'étais à 10 routes. Ok. Du coup, on va changer, on va acheter une nouvelle voiture. Alors, on va acheter l'ambulance. Ouais, vas-y, achète l'ambulance, incroyable. Alors, les trois défis de l'ambulance, il faut récupérer trois pièces. Il faut construire par la droite. Il faut faire un total de 60. Ça va être compliqué. Je ne sais pas si ça change grand-chose d'avoir une autre voiture. Il me semble pas. Il me semble que la seule différence, c'est pas au niveau du gameplay, c'est juste visuel. Voilà. Hop, hop. Voilà, j'ai fait un défi. Oh non! Fuck! ice, baby. Ok, j'ai déjà construit par la droite et récupéré 3. Il faut faire un score total de 60. Sachant que j'ai déjà fait un score de 44. Ça va. En vrai, le score, ça va le faire. Faut que j'arrive à faire 20. Et on est bon. Hop, hop, hop. On enchaîne. Je vais pas avoir la pièce cette fois-ci. Ah, loupé la pièce. Ok. Non, la pièce. Oh là là, ça va tellement plus vite au niveau. Non, j'ai explosé. Je crois qu'on a réussi. Yes, on a gagné 150. Ça, c'est pas mal. Du coup, avec tout ce fric. Aha, on a débloqué la cozy car. Ah non, en fait. Ah non, c'était score total. C'est ce qu'il me restait à faire, en fait. Il faut encore que je fasse 18. Ok, d'accord. Ça va alors. On va le terminer, histoire de récupérer 150 balles. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Ah! Fuck. Je vais voir, là, s'il reste 10, il reste 10 au score total, ouais, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez acheter de nouvelles voitures, faut vraiment faire les défis.
Parce que sinon, l'argent, vous le récupérez tellement difficilement. Vous voyez, il faut réussir à poser la route parfaitement. Parfaitement sur la pièce. Ah! Voilà. Vous voyez que du coup, quand je tape un phare, du coup, la route ne se construit pas et paf, je perds instantanément. Putain, c'est trop dommage parce que j'aurais trop aimé avoir le van à 400 balles. Ah, mais je peux parce que du coup, en fait, quand tu en complètes... Quatre défis. Ah oui, il faut terminer deux défis. Quand je termine deux défis, ça débloque automatiquement le premier là. Nice. Et là, je crois que je peux commencer directement par la neige. Franchir 3 obstacles, récupérer 5 pièces, faire un total de 48. Ça se fait. Allez, on peut le faire. Ah, du coup, on commence directement la neige. On va essayer d'aller dans le post-apo. J'aimerais bien voir. Je suis jamais allé, en fait. J'ai joué un petit peu. Histoire de dire... mon dieu. Tellement dur. Tellement dur ce truc là. Vas-y go, on relance. Le tryhard incroyable. Hop. En vrai c'est vraiment tout con comme principe, hein. Il y a vraiment deux touches quoi. Ça pourrait être un jeu de game jam. D'ailleurs ça m'étonnerait même pas que l'idée ait été trouvée au départ en game jam. Oh là là, il y a des plaques qui bougent. Ah, dur. Tellement dur. Allez, on y croit. On y croit. C'est bon droit d'y croire. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais. Bon, écoutez, regardez. Ce qu'on va faire, c'est que je vous montrerai aussi le mode mission. Le mode mission, en tout cas, il a une petite particularité. Ah, attendez, mais j'avais même pas vu. Mais en fait, il y en a encore plein. Mais il y en a tellement. Incroyable. C'est qu'à chaque fois, on a différents trucs. Donc là, on a un pizzaïolo. Et en fait, on doit aller récupérer des pizzas ici. Et on doit aller livrer les différentes maisons. Hop. Qui sont là. Hop. Et après, on retourne faire le plein de pizzas. Hop. Et en fait, il faut livrer un maximum de pizzas. Sans mourir. Hop. On y croit, là. Non ! 9. C'est combien le premier corps ? C'est 10. J'ai même pas réussi le premier corps, quoi. Je suis nul. En vrai, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Hein. D'appuyer au bon moment, sachant que la vitesse des routes n'est pas la même pour toutes. C'est loin d'être simple, en fait. C'est loin d'être simple. Par contre, si j'arrive même pas à faire 10 pizzas, c'est lent quand même. Faudrait pas abuser. Ah ! Ok. J'avais pas vu, en fait, j'ai voulu esquiver le premier obstacle, alors que j'ai oublié, en fait, une fois qu'on les passe, ils s'en vont. Ah! Ça, c'est tellement dur aussi. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec le premier, en fait, si vous ne lâchez pas, vous pouvez enchaîner avec une deuxième touche. Et du coup, vous voyez, vous pouvez faire aller la route en sens inverse, en gros, si vous voulez. Mais c'est tellement chaud. Ok, bon, j'y arrive pas. On va plutôt faire le pompier. Alors le pompier, en fait, c'est le même principe. En fait, vous devez passer sur les points d'eau et ensuite aller éteindre les feux. Mais vous avez qu'une seule ressource, qu'une seule réserve. Par rapport à la pizza, par exemple, vous en aviez deux. Hop, hop, hop. Non, 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 non. C'est chaud. Ok, il y a que 5 feux à faire. 5 feux, on peut le faire, en vrai. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'eau pourtant. Ouais. Ouais, j'ai l'eau. Non! Oh, j'étais à 4! J'allais réussir. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai autant réussi à foirer? J'y arrive pas. Alors, je vais mourir là. Ah putain, il est plus complexe. Il y a une petite particularité en plus, c'est que du coup, tu peux pas passer dans les... Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je vais y arriver cette fois-ci. On y croit grave. J'y crois à mort. C'est mon destin. Je vais tellement mourir. Mais non! Pourquoi?
Ça s'accélère de plus en plus, j'ai l'impression. Ah putain, je suis passé à côté de la flotte. Parce qu'en fait, là, il faut... Bah là, ça sert à rien. Il faut viser correctement sur la... En fait, il suffit pas de viser sur la maison. Il faut viser correctement sur la maison. Ah putain. En fait, ce qui est trop chaud, c'est que tu ne peux pas... genre, si tu t'es loupé, tu ne peux pas reconstruire une deuxième... Là, c'est pareil. Ah non, j'ai réussi à choper. Tu peux pas reconstruire une deuxième route derrière, en fait, pour en gros... Voilà. Là, j'aimerais bien, en fait, quand tu te loupes, pouvoir reconstruire une seconde... une seconde route, en fait. Viteuf. Tu vois, tu perds du temps, mais tu puisses quand même le faire. Parce que là, c'est... Tu t'es trompé, c'est fini. T'es mort. Voilà. Et j'arrive même pas. Ok, on va faire la police. Je suis mort instant. Ok. Mais non, mais... Pourquoi j'y arrive pas comme ça? C'est fou. Genre, c'est comme si dès que je chopais un voleur, je paniquais. Waouh, pourquoi j'ai autant de mal? Genre, il y a juste 5 mecs à choper, quoi. Bon, tellement chaud. Non, j'y arrive vraiment pas, là. J'y arrive vraiment pas. Ok. En fait, les routes vont super vite. J'y arrive pas, elles vont trop vite, les routes. Elles vont trop, trop vite. Attendez, on va regarder quand même la suite, là. Je puisse vous montrer au moins tout. Là, on a des zombies. Oh, on a un car. Un car. On a un truck énorme. Où là, faut du coup balayer des zombies. Oh yeah. Là, faut faire du massacre. Ça, c'est sympa. Bam. Bam. Oh là 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 là, c'est tellement petit. C'est minuscule. J'en ai 27. Il en faut 50. Tellement dur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non! Je le savais! J'étais à 30, j'étais pas loin là. Allez, on y croit. Je peux le faire. Terriblement trop addictif ce jeu. T'as tout de suite envie de relancer une game. Non, mais je me suis encore gouré, putain. Allez, je veux le faire le 50 là. Le zombie, je pense, c'est faisable. J'ai dit ça pour tous les autres, mais j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Personne n'a remarqué. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. J'étais dessus. Putain, trop deg. Trop deg, j'étais dessus. Allez. On y croit. C'est mon destin. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais non! Juste à côté. Moi, j'y arriverai pas. J'en arriverai aucun. Bon, bus scolaire, faut ramasser des enfants. Ouais. Incroyable. C'est terrible, j'ai tué des gosses. J'ai tué 3 gosses. Merde. Alors. Ok, donc là, faut faire gaffe. Parce que du coup, j'en ai qu'un nombre limité de gamins. Et là. Voilà, je suis au max, vas-y. Faites péter les gosses. Je suis au maximum. Ok, donc ça veut dire qu'il faut réussir. Parce que là, je vais en livrer un. L'erreur. Oh là là. Oh là, je suis plein à craquer. Il y en a beaucoup trop. Hop. Ok, là, du coup, j'ai réussi à les livrer. Non. Ok. Bon, du coup, le celui-là, il est sympa aussi. Parce que du coup, t'as un nombre limité dans la voiture. Mais il est tellement dur. C'est moi qui suis extrêmement nul ou... Oh, ils ont modélisé un dragon. What the fuck. Trop bien. Et il faut manger des gens? Ou faut cramer des poumons? Qu'est-ce qu'il... Il faut... Quoi? Quoi? Faut cramer des moutons? Ah non, mais il y a des moutons explosifs. Ah merde, je suis mort. Ce petit bruit est incroyable. Le mouton explosif. Ok. Du coup, faut bouffer les princesses ou ça se passe comment? Non!
Oh, j'ai réussi à terminer le bronze. J'ai réussi un truc, ouais. J'ai réussi un truc dans ce jeu, incroyable. Ok, j'en ai un pour celui-là, incroyable. Et les autres, j'ai tout foiré. Est-ce qu'il y a une subtilité que je n'aurais pas vue? Ok, non, là il t'explique du coup que du coup là ça fait un point, que ça fait un point. Ça fait X gosses en plus, maximum 6 par bus. Voilà, 1 point, 5 points, et cela, ça tue instantanément. Ok, d'accord, eh bien merci. Retour, pardon, j'avais un bouton retour. Ok, d'accord, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé. En plus, alors, ça c'est quoi? Non, ça c'est pour acheter les voitures, mais j'allais dire, il n'y a pas des tampons. Ah, mais si, si, on débloque des petits tampons. J'ai un tampon, j'ai un timbre là, et j'ai un timbre phare, et je dois avoir d'autres timbres. Non, parce que je suis nul. Ok, très bien. C'est en fonction des défis que vous avez remplis. Bref, dans tous les cas, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite découverte vous aura plu sur Old Way Party. Petit jeu vraiment, franchement, tout bête. Vous avez deux boutons, mais pas mal addictif, et franchement, plein de petites idées de gameplay. Du coup, voilà, le mode solo en mode infini, parce que y a des défis à faire et tout, c'est cool. Plusieurs trucs custo, mais. Il n'y a pas vraiment de physique différente en fonction des véhicules. Mais par contre, le mode mission, bien cool avec 6 modes différents, dès qu'ils sont complètement hardcore. Et d'autres, ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un live. Allez, salut, salut à tous.